Et voici les prévisions de trafic du 20 août au 24 août. Alors le 20 août a rien de spécial. Le 21 août est une journée classée verte dans le sens des départs au niveau national, mais orange dans le Grand Sud. Dans le sens des retours, c'est orange au niveau national et même rouge sur l'axe Bordeaux-Paris et sur l'axe Bordeaux-Paris. Le samedi 22 août est une journée classée en rouge dans le sens des départs et le sens des retours dans les deux sens de circulation. Encore une fois, mais la tendance est plutôt noire dans le Grand Ouest et dans le Grand Sud dans le sens du retour. Le 23 août est une journée classée verte dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, mais attention dans le sens des départs, comme du orange dans le Grand Sud et dans le sens des retours, rouge sur l'axe Bordeaux-Paris et Orbaille-Bigo. Enfin, le lundi 24 août est une journée classée verte dans le sens des départs et des retours, mais attention, orange quand même dans la Beauce et en Ile-de-France dans le sens des retours. Donc alors le 20 août, pas grand chose de spécial, même s'il y a pas mal de monde sur les routes déjà ce jour-là parce qu'il y a des retours anticipés. Et ça c'est une bonne idée. Voilà, ça arrive. Donc dès 10h du matin, les premiers ralentissements sur l'autoroute A7 en direction du nord de Orange jusqu'à Lyon. Un peu de monde aussi sur la 9 et la 61 et ainsi que sur l'autoroute A63. Mais pas beaucoup de monde. Voilà, pendant toute la journée, circulation bien ralentie sur l'autoroute A7 en direction du nord. Voilà, hein, si vous voulez, vous pouvez privilégier l'autoroute A75. Et enfin, à partir de 14h, un peu plus de monde dans le nord, hein, sur l'autoroute A71, à Vierzon et sur l'autoroute A10, de Orléans jusqu'au péage Saint-Arnoult. 15h, ça va rapidement s'intensifier sur l'autoroute A10 de Poitiers jusqu'aux portes de Paris. L'autoroute A61, comme ceci, à bord du monde en direction de Toulouse, ainsi que sur l'autoroute A9 du Pertus jusqu'à Lyon. 16h, l'autoroute A7 se fixe légèrement et c'est au tour de l'autoroute A6 de se densifier à partir de Mâcon jusqu'à Beaune. Ah bah 17h, l'autoroute A7 va ralentir. Sinon 17h, c'est l'heure aussi des sorties des grandes agglomérations de Capoue Monde hein, sur la A63, A25, A31 et l'autoroute A8. Et ça se mélange aussi avec le trafic de transit ce qui explique des bouches un peu plus élevées par rapport à la normale. Sinon, beaucoup de monde évidemment sur l'autoroute A10 de Poitiers jusqu'aux portes de Paris ainsi que sur la A61 de Bourg jusqu'aux portes de Paris là aussi. Dans le sud de la France, A9 et A7 et autoroute A61, pas mal dans ceci en direction des grandes agglomérations. Voilà, donc fin de la journée, c'est déjà fini à 20h. Donc maintenant, nous allons voir ce qui se passe le vendredi 21. Donc il y a beaucoup de monde dans le sud des retours. Évidemment, donc dès 8h du matin, circulation habituelle, dès 9h, déjà du monde dans le sens des retours. Et oui, enfin, en direction du nord plutôt. Voilà, parce que les gens qui vont vers le nord, c'est pas forcément le sens des retours, ça peut même être du départ. Donc, dès 9h du matin, déjà du monde sur l'autoroute A63 de Biarritz jusqu'à Bordeaux, ainsi que sur l'autoroute A9 et autoroute A7 du Pertus jusqu'à Lyon. Et pas encore de véritable bouchon, évidemment. 10h, intensification rapide du trafic hein, dans le sud de la France, hein, sur l'autoroute A8 et autoroute A7, déjà bien ralenti de Aix-en-Provence jusqu'aux portes de Lyon. 11h, heure la plus chargée de la matinée. L'autoroute A7 est déjà bouchée de Orange jusqu'à Lyon, même chose sur l'autoroute A9 de Narbonne jusqu'à Nîmes. Autoroute A61, pas mal de monde aussi dans les deux sens de circulation de Toulouse jusqu'à Narbonne. Sinon, plus au nord, plus à l'ouest plutôt, autoroute A63 et autoroute A10, pas mal dans ceci de Arcachon jusqu'au péage Saint-Anneau. Du monde aussi sur l'autoroute A71 à Vierzon. Voilà. Midi, ça va s'intensifier hein, sur l'autoroute A10 hein, tour jusqu'à Orléans parce qu'ils ont dit bon allez, il reste plus que 200 km, allez, on va continuer jusqu'aux portes de Paris sans manger. Si on est dans le sud de la France, ça se fluidifie légèrement. Faut attendre 14h que ça reprenne hein, parce que vous pouvez voir déjà que l'axe Bordeaux-Paris est déjà bien bouché. Au sud de la France, l'axe Pertus-Lyon est déjà saturé, même du coup Barcelone hein. Autoroute A61, pas mal de monde dans les deux sens de circulation aussi entre Toulouse et Narbonne. 15h, intensification rapide du trafic, hein, du monde aussi dans l'autre sens de circulation, hein, mais c'est peut-être des gens dans le sens des retours, hein, voilà. Du monde sur l'autoroute A6 de Lyon jusqu'à Beaune, du monde aussi sur l'autoroute A61 de Clermont-Ferrand jusqu'à Montluçon, et après de Bourges jusqu'à Paris. Vous pouvez voir en ce moment à 15h l'axe Bordeaux-Paris, l'axe Barcelone-Lyon sont déjà saturés. Du monde aussi sur l'autoroute A7 en sortie de Valence en direction de Marseille. Un peu de monde ici sur l'autoroute A10 au péage de Saint-Anneau.
16h, du coup, c'est qui sort de Paris, hein, pour d'adresse, peut-être, c'est du trafic mélangé, du sens des retours, oui, parce qu'il y a les Normands qui passent en vacances sur Côte d'Azur, peut-être. Hein. Là, c'est des flux de trafic venant d'autoroute à 10, voilà, des idiots, hein, alors qu'on peut prendre l'autoroute à 28. Bon, là, pour ceux qui prennent la 6 aussi, ils traversent pas, ils prennent l'autoroute à 13, bon. La quoi, autoroute A se situe hein, du monde de Narbonne jusqu'à Toulouse, autoroute A9 du monde de Perthus jusqu'à Lyoplis, pour l'autoroute A7 plus sur l'autoroute A6 jusqu'à Beaune. 17h, apparemment c'est l'heure la plus chargée de la journée. Alors 17h, ça se fluidifie sur l'autoroute A7 ainsi que sur l'autoroute A6. Mais intensification de trafic dans les grandes agglomérations et l'autoroute A10 à ce stade sont toujours saturées. De Bordeaux jusqu'à Paris et de Bourges jusqu'à Paris. 18h, bah un peu de monde encore une fois qui revient sur l'autoroute A10 au village Saint-Arnaud ainsi que dans les Alpes sur l'autoroute A41 et l'autoroute A43 de Genève jusqu'à Lyon qui veulent éviter la fameuse autoroute A40 ou le tunnel au kilomètre 117 peut éventuellement fermer s'il y a trop de trafic. 19h, ça se fluidifie légèrement. Enfin, surtout dans les grandes agglomérations, il y a encore beaucoup de monde hein, sur l'autoroute A9, sur l'autoroute A7, sur l'autoroute A10, sur l'autoroute A20, sur l'autoroute A71, ainsi que sur l'autoroute A13, que ce soit en direction des grandes agglomérations de Paris ou de Lyon, ou en direction d'une agglomération plutôt moyenne de type Rouen et Caen. 20h, encore du monde, encore quelques petits retardataires, hein. Porte de Paris, par exemple, sur l'autoroute A10, sur l'autoroute A1, sur l'autoroute A13, et aussi encore du monde en Palais du Rhône. Sur l'autoroute A7 de Orange jusqu'aux portes lyonnaises. Voilà, faudra attendre 22h où il y a presque plus personne, enfin encore beaucoup de monde sur l'autoroute A7 de Orange jusqu'à Lyon, ainsi que sur l'autoroute A10 de Poitiers jusqu'à Tours. 23h, encore du monde sur l'autoroute A7 en Vallée du Rhône. Le samedi 22 août est une journée où il y a encore beaucoup de monde en sens des départs, c'est pour ça que la journée est classée rouge, donc dès minuit, encore du monde sur l'autoroute A7 en direction de Lyon. Voilà, ça sert à 1h du matin d'ailleurs. Ensuite, faut attendre 7h du matin pour que le trafic reprenne. Voilà, les bouchons à 6h, à 5h, à 4h, c'est fini. Les voies lentissement reprennent à 7h du matin sur l'autoroute A7 de Lyon dans les deux sens de circulation. Là, on voit que c'est la fin des vacances, malheureusement. Les bouchons ne commencent plus à 5h. 8h, autoroute A7 qui bouge très vite dans les deux sens de circulation, surtout en direction de Marseille. Ce qui est plutôt évident puisque le matin, c'est plus de monde dans le sens des départs. Autoroute A10 du monde aussi de Paris à Saint-Arnaud et aussi du monde aussi sur l'autoroute A10 en souvenant de Bordeaux jusqu'à Saint. Autoroute A9, pas mal de monde aussi dans la côte languedocienne, mais pas encore de véritable bouchon. Autoroute A soutient, bouchon au bien aussi dans la direction de Narbonne. 9h, intensification rapide du trafic dans le sud de la France sur l'autoroute A7, A9 et autoroute A61 dans les deux sens de circulation de Lyon à Toulouse et de Lyon à Barcelone. Puis à l'ouest, beaucoup de monde aussi sur l'autoroute A10 de Bordeaux jusqu'à Orléans ainsi que sur l'autoroute A61 à Viazo en direction de Paris. 10h, intensification très rapide du trafic. Vous pouvez voir là que l'A10 est déjà saturée dans les deux sens de circulation de Orléans jusqu'à Bordeaux ainsi que sur l'autoroute A7 dans les deux sens de circulation là aussi de Lyon jusqu'à Toulouse ainsi que de Lyon jusqu'à Barcelone. Voilà, on peut même parler de blocage même de Lyon jusqu'à Toulouse. Voilà, point de blocage encore une fois sur l'autoroute A7, A9 et autoroute A61 de Toulouse, de Lyon jusqu'à Toulouse. 11h, heure la plus chargée de la journée, alors vous pouvez voir beaucoup de monde déjà dans le sens des départs. Alors dans le sens des départs, autoroute A1, autoroute A13, autoroute A10, de Paris à Arcachon évidemment, autoroute A11, Paris-Nantes, autoroute A6, dans Val de Saône, autoroute A7, A9 et A61, autoroute A64, autoroute A57, autoroute A8, autoroute A63 Nord, autoroute A... Voilà. Dans le sens des retours du monde, alors sur l'autoroute A1, sur l'autoroute A13, sur l'autoroute A10, Arcachon Paris, ben passe direct Paris depuis la A63, A63, autoroute A11, donc Paris, autoroute A81, la Val-le-Mans, autoroute A61, A9, A7, autoroute A64, autoroute A6, autoroute A61, donc Clermont-Ferrand jusqu'à Orléans, autoroute A43, de Eton jusqu'à Lyon, autoroute A8, de Menton jusqu'à Coudoux. Midi, fluidification générale du trafic dans le sens des départs, mais encore beaucoup de monde dans le sens des retours. Voilà, autoroute A31 qui s'ajoute dans le trafic, ainsi que sur l'autoroute A20 et l'autoroute A43 qui s'intensifie de Eton jusqu'aux portes de Lyon. 13h, autoroute A10 qui se réintensifie de Saint-Arnaud jusqu'aux portes de Paris.
14h, heure la plus chargée de l'après-midi. Vous pouvez voir actuellement dans le sens des retours, saturation complète du trafic sur l'autoroute A10 de Bordeaux jusqu'à Paris, ainsi que sur l'autoroute A02 de Bourges à Paris ou sur l'autoroute A1 de Nantes jusqu'à Paris. Dans le sud de la France, énormément de monde aussi sur l'autoroute A7, A9 et A61 de Lyon à Toulouse et de Lyon à Barcelone dans les deux sens de circulation. 15h à 31, revient dans le trafic de Beaune jusqu'à Langres, qui risque de se prolonger sur l'autoroute A5, ouais, ainsi que sur l'autoroute A31 Nord jusqu'au Luxembourg. 16h, fluidification du trafic, voilà, plus personne sur la 11 et la 81, mais encore beaucoup de monde sur l'axe de transit principal, Bordeaux-Paris ou encore Clermont-Ferrand-Paris. Dans le sud de la France, moins de monde, là aussi, mais circulation encore extrêmement élevée dans les deux sens de circulation, sur l'autoroute A7 et l'autoroute A9 de Lyon jusqu'à Barcelone. Autoroute A6 risque aussi de boucher de Mâcon jusqu'à Beaune, ce qui est pourquoi l'autoroute A39 est évidemment conseillée. Évidemment, pour l'autoroute A7, n'oubliez pas la A75 ou encore la 43, 48, A51. Voilà, vous avez la 87, la 11 ou encore l'autoroute A89 et l'autoroute A20. Voilà, ça n'échappe pas tout sous les bouchons. 17h, ça s'intensifie apparemment sur l'autoroute A10, mais ça se fluidifie partout. 18h, l'axe Bordeaux-Paris, l'axe Clermont-Ferrand-Paris est toujours aussi saturé, alors que pendant ce temps-là, sur la 7 et l'autoroute A9, ça se fluidifie grandement, la fin des bouchons est déjà effective. 19h, encore beaucoup de monde sur la 17 à 61. 20h, ça se fluidifie enfin sur l'autoroute A10, même si encore énormément de monde depuis Arcachon jusqu'aux portes de Paris. Sinon, sur l'autoroute A7, dernier retardataire de Oran, de Montélimar jusqu'à Lyon. 21h, c'est déjà pratiquement terminé. Ah bah non, à 22h, ça reprend sur l'autoroute A7 de Orange jusqu'à Lyon. Voilà, c'est les premiers autos du dimanche qui reprennent à partir de samedi. Voilà. C'est les retours anticipés ou retardataires. Donc, le dimanche 23 août, c'est une journée, il y a encore beaucoup de monde. Donc, dès 8h du matin, du monde à Coudou et nord de Orange, au sud de Lyon. 9h, ça va vite s'intensifier et puis voir que l'autoroute A8 et l'autoroute A7 sont déjà bien ralentis de l'Aix-en-Provence jusqu'à Porte de Lyon. 10h, c'est autour de l'A10 de s'ajouter dans la partie de Bordeaux jusqu'à Paris. Sinon, dans le sud de la France, alors l'autoroute A61, c'est certainement plus trafic dans le sens des retours, l'autoroute jusqu'à Narbonne, qui se prolonge jusqu'à Narbonne jusqu'à Nîmes, puis après jusqu'aux portes de Lyon par l'autoroute A7. 11h, heure la plus chargée de la matinée, beaucoup de monde sur l'autoroute A10 de Bordeaux jusqu'à Paris, sur la A61 de Bordeaux jusqu'à Paris, sur l'autoroute A7 de Orange à Lyon, sur l'autoroute A6 de Lyon à Beaune, sur la A9 et A61 de Toulouse jusqu'à Nîmes. Midi, ça va s'intensifier hein, sur l'autoroute A10, ça bouchons qui dépasseront même le kilomètre 0, voilà, et qui se prolongeront sur l'autoroute A10 Nord et sur l'autoroute A6A et l'autoroute A6B. Et en parlant d'autoroute A6, c'est pas mieux, Lyon-Avallon, pas mal de monde aussi sur cette portion. Ce qui est pourquoi la 39, la 31 et la 5 est évidemment conseillée. 13h, ça se fluidifie évidemment, c'est l'heure du repas. 14h, ça reprend ou pas. Alors, on fait du monde quand même sur l'autoroute A10 et l'autoroute A6 en direction de Paris, ainsi que sur la 9, la 7 et la 6 en direction de Paris et du nord de la France. 15h, ça sera intensifié, vous pouvez voir que l'axe Bordeaux-Paris, l'axe Bourges-Paris seront complètement saturés, voire même des blocages possibles. Blocages possibles entre Bordeaux et Poitiers, dans la traversée de Tours, Orléans et aux portes de Paris. Sinon, plus au sud de la France, autoroute A61 A9, c'est beaucoup de monde en direction de Toulouse et Lyon. Plus au nord, sur l'autoroute A6, Lyon, l'axe Lyon-Paris, énormément de monde aussi. Entre Lyon-Paris, surtout entre Lyon et Courtenay. Parce qu'après Courtenay, le trafic se divise parce qu'ils avons les. Dans le petit malin qui prend la 17 puis l'autoroute A5. Mais l'autoroute A5 il faut prendre depuis Langres en prenant la 31. Voilà. A6 saturé de Mâcon jusqu'à Beaune. 16h, la 11 reviendra à partie ainsi que la 31 et l'autoroute A13. 17h, ça va être l'heure la plus chargée de la journée avec beaucoup de monde. Alors là, Arcachon Paris saturé, Axe Bourges Paris saturé, Narbonne Toulouse saturé, Pertus Nîmes saturé, enfin touché du tout, Orange saturé, Lyon Paris ralenti ou en accordé si vous voulez, Lyon Paris par A6 évidemment. 18h, l'autoroute A13 s'intensifie, oui, en Normandie, en sortie de Deauville, attention beaucoup de monde
beaucoup de trafic venant de l'autoroute A132 et qui rejoint l'autoroute A13 sous-dimensionnée à cet endroit-là, donc bouchon assuré. 19h, fluidification générale du trafic, même si encore beaucoup de monde sur la 6, la 10, la A, autoroute A13, A7 et autoroute A61. 20h, les derniers trains à terre. Bouchon dans les grandes agglomérations, c'est fini, mais encore beaucoup de monde sur l'autoroute A10, A71, A7, A6 et autoroute A13. 21h, c'est pas prêt de se calmer sur l'autoroute A7, mais ça se calme beaucoup sur l'autoroute A10 et A71. J'attends 23h pour une fluidification totale du trafic. Mais non, encore du monde sur la partie finale de l'autoroute A10. Alors, faut voir déjà. Voilà, autoroute A10 de Saint-Anne jusqu'aux portes de Paris. Encore beaucoup de bouchons qui risquent de se prolonger, évidemment, sur la nationale 118. Et sur l'autoroute A10 Nord, puis sur l'autoroute A6, A6B, voire même sur l'autoroute A86, puis sur l'autoroute A3, puis sur l'autoroute A1. Voilà, c'est même pas le point de se calmer d'ailleurs. L'autoroute A7, moi je pense, tant pis. Enfin, le lundi 24 août, il y a quand même du monde. Alors, déjà, dès le matin, difficulté habituelle aux grandes agglomérations qui s'ajoute en plus du trafic dense sur l'autoroute A10 de Poitiers jusqu'à Paris. 9h ça se calme, 10h ça reprend, beaucoup de monde déjà dès 10h sur l'autoroute A8, autoroute A7, autoroute A8 et autoroute A7 de Aix-en-Provence à Lyon, ainsi que sur la 10 dans la Beauce de Poitiers jusqu'à Paris. 11h, heure la plus chargée de la matinée, beaucoup de monde sur l'autoroute A, sur l'axe Arcachon-Paris. Du monde aussi au sud de la France sur l'A61, A9, autoroute A7, dans le sens 02, évidemment, avec circulation saturée déjà sur l'autoroute A7 de Orange jusqu'à Lyon. Donc pendant toute la journée, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura beaucoup de monde sur la 7, la 10 et l'autoroute A71 avec des bouchons, évidemment, possible. Voilà, 17h est la plus chargée de la journée. La A7, ça solidifie, alors sur la 10 et la 71, ça s'accueille. Et les bouchons se terminent aux alentours de 20h. Donc voilà, c'est la fin de ces prévisions de trafic. Donc les prochaines prévisions de trafic, ce sera du jeudi 27 août. Et jeudi 27 août au lundi 31 août. Ah non, il n'y a personne le 31 août. Donc ce sera du jeudi 27 août au dimanche 30 août et ensuite après c'est la rentrée. C'est la rentrée, les prévisions de trafic du 5 septembre et du 5 septembre ce seront les dernières prévisions de trafic avant les vacances d'octobre. Donc je vous dis à la prochaine.